Bonjour tout le monde, chers amis, chers étudiants. Aujourd'hui, j'ai lancé cette vidéo pour vous orienter en ce qui concerne l'entretien d'accès au cycle master, c'est-à-dire comment réussir un entretien d'accès au cycle master. Je porte à votre connaissance que ces conseils seront valables aussi pour l'entretien d'embauche, car il y a une différence entre l'entretien d'embauche et l'entretien d'accès au cycle master. Lors d'un entretien d'embauche, les questions posées sont basées principalement sur les expériences déjà vécues. Et lors d'un entretien d'accès au cycle master, les questions posées sont basées principalement sur les connaissances déjà acquises dans les cycles précédents. Avant de commencer l'entretien, d'abord, il faut instaurer un climat de confiance avec les membres du jury. Il faut instaurer un climat favorable pour votre candidature. Il faut créer un lien de connexion avec les membres du jury. Il faut inciter les membres du jury à poser des questions avec une manière qui est clair et simple et qui n'est pas préjurative. C'est vous qui déterminez la façon par laquelle les membres du jury posent les questions. C'est vous qui déterminez la façon par laquelle les membres du jury posent les questions. Alors, il faut instaurer un climat favorable pour vous. Ça va vous aider à répondre avec des réponses qui sont adéquates. Mais quand vous n'instaurez pas un climat qui est favorable, c'est-à-dire quand vous instaurez un climat qui est défavorable pour vous, ça va vous amener à répondre avec des réponses qui sont inappropriées. Ça va vous amener à répondre avec n'importe quoi. Il ne faut pas exagérer de parler de soi. Vos soi n'est pas l'objet de la candidature. L'objet de la candidature, ou bien l'objet de l'entretien, c'est votre candidature. C'est le master. C'est la formation. Il n'est pas vos soi. Alors, il ne faut pas exagérer de parler de soi, mais il faut parler des avantages du master. Il faut parler des points forts de la formation. Il faut parler de la valeur ajoutée du master pour vous. Il faut parler des apports du master pour votre profil. Alors, il faut valoriser le master et puis parler de votre relation avec cette formation ou bien votre relation avec ce master ou bien ce que vous amène à postuler à ce master. Ou bien, ce que vous amenez à choisir ce master. Quand vous vous sentez timide, il faudrait parler de vos expériences vécues. Il faudrait parler de vos objectifs réalisés. Il faut être fier de ces objectifs. Il faut les mentionner pour contourner cette timidité. Et quand vous commencez à dire des erreurs, il faudrait faire une pause. Il faudrait faire une pause et recommencer la présentation dès le début pour que vous puissiez savoir ce que vous dites, pour que vous puissiez apprendre le processus de votre présentation, pour que vous puissiez maîtriser votre présentation. Alors, il faut recommencer la réponse ou bien la présentation dès le début pour que vous puissiez la maîtriser. Quand vous ne savez pas répondre à une question, sachez bien que personne ne sait tout. Sachez bien que personne ne sait répondre à toute question. Sachez bien que personne ne maîtrise tout. Il ne faut pas donner une impression négative
aux membres du jury. Il ne faut pas véhiculer une image que vous maîtrisez tout aux membres du jury, car les membres du jury savent que vous ne maîtrisez tout. Alors, il faut être sincère. Il faut être sincère et répondre, par exemple, avec vraiment, je ne sais pas répondre à cette question, ou bien vraiment, je n'ai aucune idée concernant ce sujet. Il faudrait, par exemple, être diplomatique dans votre réponse. Il faudrait dire, par exemple, vraiment, j'en ai aucune idée sur ce sujet, mais ce master sera l'occasion pour moi pour développer mes connaissances dans ce sens. Il faut inverser le sens de l'impact de votre réponse du négatif au positif. Il faut éviter aussi les réponses qui sont centrées. Les réponses, c'est-à-dire répondre avec oui ou non. Il faut d'abord commencer avec la présentation des arguments. Il faut justifier votre réponse avant de répondre par oui ou non. La réponse par oui ou non doit être la conclusion de vos justifications, de vos arguments. Il faut aussi éviter les motivations qui se répètent, car les membres du jury ne cherchent de vous est-ce que vous êtes capable de répondre avec une question qui est votre quelles sont votre motivations? Non. Le membre du jury, les membres ou bien le recruteur cherche de vous qu'est-ce que vous démarque par rapport aux autres, quels sont vos avantages par rapport aux autres. Alors il faut présenter vos points forts, il faut présenter ce que vous démarque par rapport aux autres. Il faut savoir déceler vos facteurs clés de succès qui vous démarquent par rapport aux autres. Il faut savoir constituer un avantage compétitif lors d'un entretien. Il faut chercher à se démarquer, à démarquer notre candidature par rapport aux autres. Sachez bien que nombreux sont les candidats qui postulent au même master. Quand vous dites les motivations que se répètent, vous pouvez tomber dans le risque que vous dites une motivation qu'un autre l'a dit déjà. Alors le membre de jury entend des motivations que les autres ont déjà évoquées. Alors, il faut formuler vos propres motivations. Il faut formuler vos propres présentations. Il ne faut pas tomber dans le risque de présenter les motivations ou bien les présentations qui se répètent. Alors, il faut contextualiser aussi vos motivations. Il faut relativiser vos motivations. Quand vous dites par exemple, je suis rigoureux, je suis sérieux, j'ai l'esprit d'équipe. Il faut alimenter ça par des exemples. Il ne faut pas dire des motivations dans l'absolu, mais il faut les relativiser par des exemples, par des contextes. Il faut lier vos motivations par des contextes et par des exemples. Vous êtes rigoureux en quoi? Vous êtes motivé en quoi? Vous avez l'esprit d'équipe dans quoi? Il faut alimenter ça par des exemples réels, des expériences réelles. Il ne faut pas vous empêcher de dire vos expériences, de présenter bien, de citer vos points forts. Parfois les membres du jury posent des questions
dans la réponse dépend d'un contexte. C'est-à-dire, la réponse diffère d'un contexte à un autre. Alors, lors de la réponse à une telle question, il faut contextualiser la réponse, il faut relativiser la réponse à un contexte donné. À un contexte donné. Maintenant, il ne faut pas parler du sujet que vous ne maîtrisez pas. Car ça va vous conduire à dire n'importe quoi. Et le membre de jury, lorsqu'il pose une question liée à un sujet que vous ne maîtrisez pas, il faut être bref et résumé dans votre réponse. Il ne faut pas citer les détails. Il ne faut pas citer les détails. Vous pouvez citer les détails dans vos points forts. Lorsque vous parlez d'un sujet que vous maîtrisez, oui, il faut citer les détails. Mais quand vous ne maîtrisez pas un sujet, il ne faut pas parler des détails. Quand le membre du jury vous demande de présenter quelques points faibles pour vous, il ne faut pas tomber dans ce risque. Il ne faut pas tomber dans ce piège et commencer à citer vos points faibles. Mais il faut citer vos points faibles comme ils sont contournés, quand ils sont déjà contournés. Il faut considérer vos points faibles comme des faits que vous avez déjà vécu. Comme des faits que vous avez déjà vécu. Alors, il ne faut pas présenter les détails de vos points faibles. Mais il faut donner une image, il faut véhiculer une image, ou bien il faut donner l'impression aux membres du jury que vous avez l'habitude de battre vos points faibles, d'améliorer vos points faibles. Alors, il faut parler du point faible que vous avez déjà amélioré pour inverser le sens de l'impact de votre réponse. Il ne faut pas présenter des phrases qui sont longues. Il faut couper les phrases. Il faut dire des phrases qui sont claires et simples pour que le membre du jury puisse apprendre et comprendre ce que vous dites. Il faut dire des réponses qui sont pertinentes. Il faut dire des réponses qui sont pertinentes. Alors, il faut parler de vos réalisations, de vos objectifs que vous avez déjà réalisés dans votre vie quand vous aurez l'occasion. Quand vous aurez l'occasion, il faut parler de vos objectifs que vous avez déjà réalisés et des expériences que vous avez déjà vécues. Alors, tout ça, ce que je dispose, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai présenté et bon courage pour vous.